Une séquence digne d'une blague belge. Jeudi 30 mars, Benoît Poulevard et Olivier Babinet étaient en direct de France 5, dans C'est à vous, pour faire la promotion du film Normal, en salle le 5 avril prochain. Mais alors que le réalisateur de cette comédie dramatique était en plein éloge de son acteur, le téléphone du comédien originaire de Namur, Belgique, s'est mis à vibrer. Je suis en train de commettre une faute impardonnable, j'ai oublié de couper mon téléphone. A avoué le coupable, tout penaud. Sortant l'arme du crime de sa poche, Benoît Poulevard a décrit son embarras avec l'humour qu'on lui connaît, ça vibre dans mon derrière, et je peux vous assurer qu'à la régie, ils sont en train de se dire, mais je ne le crois pas, ce connard a laissé son téléphone ouvert. Et d'enchérir face à l'hilarité d'Anne-Elisabeth Lemoine et du reste de son équipe, je vais regarder, c'est sûrement un con qui me dit, tu es en train de passer à la téloche. Verdict. Au bout du fil, une autre figure du grand écran belge et français, François Damien. Saloperie. Et il ne dit rien, c'est juste pour le faire sonner. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. A conclu la vedette de cette arrivée près de chez vous. Supérieur à Shirley et Dino, Omar et Fred, Eric et Ramzy. Ces duos cultes de l'humour sont-ils toujours proches? Benoît Poulevard déchaîné dans C'est à vous décidément, Benoît Poulevard aura activé les zygomatiques de tous les journalistes de C'est à vous et certainement ceux de nombreux téléspectateurs lors de son passage sur France 5. Avant cet épisode lunaire du téléphone, l'as de la comédie avait déjà donné un aperçu de sa grande forme sur le plateau en faisant un surprenant commentaire sur sa tenue, quelques minutes seulement après avoir pris l'antenne, « J'ai très chaud, je me suis trompé de veste. Je ne peux pas l'enlever, j'ai les deux micros. Je veux que le téléspectateur sache que si je transpire, ce n'est pas parce que je suis gros, c'est parce que j'ai chaud. » Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran C'est à vous France 5.